Quatrième étape, le politique. L'existence humaine est liée au temps d'une manière tout à fait particulière. Nous nous découvrons comme des questions pour nous-mêmes, comme des réalités à être, non toutes faites, dont nous portons la responsabilité. Il n'empêche que la médiation la plus significative, la plus décisive, la plus chargée de potentialités et aussi de périls, c'est pour chaque liberté celle des autres libertés. Le domaine des relations humaines est par excellence, quoique non de façon exclusive, le lieu de l'éthique. Comment surmonter tout ce qui s'oppose à l'émergence des libertés? La médiation du droit est ce qui donne ici à l'éthique sa figure concrète au sein du politique. Mais pour agir de manière efficace sur la vie sociale, le pouvoir doit se concrétiser dans des institutions, dans des décisions, être confié à certains, ce qui le fait retomber dans des pesanteurs d'objectivation et de chosification, pardon, et l'oblige à introduire des opacités qui risquent fort de compromettre sa tâche. C'est là le paradoxe du pouvoir, la source des ambiguïtés du politique. Ce contenu conditionné, rempli de tensions, de contradictions, d'enjeux, de projets, est indépendant de l'horizon éthique d'où le politique tire son sens. Il ne satisfera à cet horizon qu'en portant les relations humaines à un niveau éthique où chacun est véritablement traité comme fin pour chacun des autres. Définition de la dignité humaine que donnait fort justement Kant, tel que cité tout à l'heure. Le plus haut défi du politique est ainsi bel et bien la reconnaissance effective de la dignité de chaque être humain sans exception. Telle est encore une fois la norme que chacune et chacun sont appelés à intérioriser au cours du processus éducatif. Zygmunt Bauman, le grand sociologue contemporain polonais, reconnaît à l'exquise acuité, c'est lui que je cite, à l'exquise acuité de vue et de plume d'Aristote, l'articulation de rien moins que ce qu'il appelle les prolégomènes de toute sociologie future. Revenons avec Bauman et Aristote au point de départ du politique. Qu'est-ce que l'essence du politique? Qu'est-ce qui est le point de départ du politique? Pourquoi l'être humain est-il par nature un animal politique, bien plus que les abeilles ou autres animaux grégaires? Parce que, pourquoi, si je vous avais posé la question, qu'est-ce que vous auriez dit? Parce que seul parmi les animaux, il a la parole, logos, laquelle est faite pour exprimer, comme le remarquaient déjà les anciens Grecs, en particulier Aristote, laquelle parole est faite pour exprimer l'utile et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Tel est, en effet, écrivait-il, le caractère distinctif de l'homme en face de tous les autres animaux. Seul il perçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et les autres valeurs. Or, c'est la possession commune de ces valeurs qui fait la famille et la cité. On peut, à tort ou à raison, fin de citation, on peut, à tort ou à raison, imaginer la vertu comme quelque chose d'individuel, qui n'a pas besoin des autres. Mais il n'en va pas de même de la justice, car la justice est politique. En effet, la justice est la règle de la communauté politique. Or, c'est l'exercice de la justice qui détermine ce qui est juste. Ce n'est en somme que par le politique que la notion de bien et de mal peut trouver son accomplissement dans une vie partagée. C'est pourquoi, on faisait remarquer déjà dans l'Antiquité, notamment Aristote, seul un être dégradé ou un être surhumain, deux extrêmes, peuvent vivre en dehors de la société humaine. Mais la justice doit être ouverte, accessible en permanence. Il n'existe pas de société qui puisse se décrire comme une sorte d'incarnation de la justice accomplie. Une société ne peut être juste qu'en sachant ne jamais se satisfaire du niveau de justice atteint et en recherchant sans relâche plus de justice et une meilleure justice. C'est dans cette perspective dynamique
d'une politique sans cesse critique de la réalité présente et tendue vers des idéaux où chacun puisse se reconnaître, que Bauman voit, à juste titre, l'apport d'Aristote comme spécialement actuel. La justice demeure une tâche à l'horizon d'un futur qu'on ne voit pas, mais que les exigences du présent ne cessent de convoquer. Mais pour que tout cela soit, il faut justement la parole. He that made us with such large discourse, looking before and after, gave us not that capability and godlike reason to fast in us unused, disait Shakespeare. Je lis une traduction ici, c'est dans Hamlet 4.4, acte 4, scène 4. Ô celui-là qui nous dota de ce vaste discours, qui voit si loin dans le passé et l'avenir, ne nous a pas donné cette capacité et cette raison divine pour qu'inactive elle moisisse en nous. Le langage, la parole, capitale. Comme le proclame dans son titre même un classique de la philosophie contemporaine, d'expression anglaise, nous faisons des choses avec des mots. How to do things with words. Il s'agit de John Austin. On peut détruire irrémédiablement la réputation de quelqu'un, sa vie entière, en chuchotant quelques mots à l'oreille d'un voisin. Comment quelques sons de voix sans conséquence apparente peuvent-ils être investis d'une telle puissance? De même, à l'inverse, le bien commun est-il le mieux servi par le pouvoir des mots? Toutes les institutions au service de la justice, voire le pouvoir politique, les parlements, les assemblées, etc., etc., en dépendent. Il est donc le mieux servi, ce bien commun du politique, il est donc le mieux servi par l'éducation et la culture.